Bonjour, bonjour les bandits. Voilà, ça y est, c'est le jour du départ. Nous sommes mercredi. Non, on est jeudi. Non, on est jeudi matin. Voilà, nous sommes à Combloux. On a passé une nuit extra, il n'y avait pas de bruit. C'était magnifique, on voyait même les étoiles dans notre lit. Et regardez, on est juste à côté du Mont Blanc. Non, mais tu peux faire signe, je suis en train de me filmer moi en fait. Et voilà, on va dire au revoir à Paul. Paul, c'est pas... Paul. Ouais, c'est Sylvain, c'est Paul. C'est Paul, Paul. C'est Paul avec un E. C'est Paul, oui, avec un E. C'est Paul. C'est Paul. C'est Paul, c'est les garçons. Le Paul. Exactement. Et Paul. Paul et Paul. Exactement. D'accord, voilà. Et ben vraiment, enchanté d'avoir fait votre connaissance. Bah ouais. C'était vraiment une chouette rencontre. Nous aussi. Et puis ben, à la prochaine, vous passerez nous faire un petit coup. Ah bah ouais, obligé. On verra obligé. L'évolution de l'intérieur, que... on a mis ça, bibliothèque et tout, piano. Ouais. Ça sera sympa, ouais. Et puis là, j'ai rien fait. Ça et puis là, là non plus. Bah, c'est impressionnant. Ouais, bah, c'est un peu ce que tu fais tous les jours, en fait. C'est ça. Finalement, c'est un peu ça le but dans la vie. C'est ça. Réussir à rien faire. Exactement. Et en profiter. Voilà. Bon, bah nous, on prend la route. Et puis, je vais faire une petite caresse à Flash. Une caresse. D'ailleurs, il va changer de nom. C'est possible. Peut-être. C'est pas certain encore. Il y a Charlie qui d'ailleurs, je qui pensais tient à ça. On parlait de bateau. Tu disais que les marins, ils changeaient pas les noms. Mais en fait, si, regarde en Sea Shepherd. La Digil. Ah oui, ben non. Mais le... non, le bateau Brigitte Bardot, ils l'ont bien renommé. Ouais, mais ils changent complètement, mais ils changent complètement d'objet de destination. En plus, c'est une sponsor, c'est comme vrai, le Martin Chin. C'est des partenariats faciles. Ah bon, si vous changez nom, faites ça dans les règles de l'art, avec une bouteille de champagne et tout. Ah ouais. Une petite vidéo là-dessus, parce que vous allez faire une chaîne YouTube, elle est faite. Elle est faite. On a mis le lien en description. La chaîne s'appelle Globule. 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 Globe avec un petit apostrophe. Et à prononcer globule, hein, c'est bien. Ouais, oui, globule. C'est à prononcer globule, c'est voilà, très bien. C'est vrai, c'est pour que vous le trouviez. C'est globe trotteur, le globe, le tour du monde, enfin un peu tout ça. Et puis ils pourront appeler leurs followers des globuliens. Enfin, c'est des globuleurs. Ouais, on des pourra dire, tiens, ça vous dirait d'aller globuler là, les enfants. C'est vrai que vous pourrez vous servir du nom pour plein de choses. Des bulles. Mais on va faire des plein de bulles en fait. On a des trucs pour faire des bulles géantes. On va faire plein de bulles autour du monde. C'est aussi pour bon, ça. Bon, bah c'est cool. Alors, donc du coup, allez sur leur chaîne Globule et vous pourrez suivre Flash. Vous êtes nombreux à nous l'avoir demandé. Est-ce qu'on va pouvoir le suivre et tout? Eh ben oui. Vous avez de la chance d'être tombé sur une famille qui va faire une chaîne YouTube. Avec quatre enfants. Et que vous allez pouvoir suivre Flash ou alors Bubule, ça dépend comment il va s'appeler. Et on aura le plaisir Bubule, de se coucher à 4h du matin. Bubule pour finir peut-être, la vidéo. Ouais. Il y a Bubule qui est à la côte. Ouais, Bubule. Et Bubule, c'est pas mal. Hein. Bubule, moi je trouve que c'est. Charlotte. Son silence en dit long. Chacun fait comme il veut. C'est exactement ça. Ça sera toujours notre petit flash. Puissant comme la foudre, rapide comme l'éclair, surtout dans les montées. Mais voilà, mais en tout cas, on est vraiment ravis d'avoir fait votre connaissance et à bientôt. Ouais. Et nous, on reprend la route. Bonne ciao. Route. Bientôt, allez, ciao. Bye bye, à bientôt. Bisous. Ciao. Salut mon petit gars. Quoi? J'ai le droit, non? Ah mais t'as carrément le droit. Bon, tu les emmènes loin, au bout du monde, et sans panne, d'accord? Ok? Non, pas sans aucune panne. Aucune panne. Et tu les aimes autant que nous, parce qu'ils vont t'aimer autant que nous, on t'a aimé. Ah ouais, hein? C'est sûr. Voilà. Allez, bisous mon pote, à bientôt. Allez, c'est parti. Bye bye Flash. Bye bye. Ciao. On a rien oublié. J'ai l'impression qu'on a oublié un truc. J'ai mon téléphone, c'est le principal. Ah, c'est le bus maintenant, je suis bête. Bon bah ça y est, là on part tout juste. On devait partir à 8h, il est 10h30. On va gazer. Ouais, je pense que là on va gazer, on va devoir prendre l'autoroute et tout parce qu'on a attendu pour 16h je crois pour notre étape pour dormir ce soir. Voilà, ça fait drôle. Ça y est. Ouais, mais je suis content franchement. Ah ouais, je suis pas franchement, triste, je suis super contente parce que je pense qu'il est entre de bonnes mains. On va pas dire qu'on est triste, qu'on est les plus malheureux du monde. Ah non, c'est... non, triste dans le sens où il y a un pincement au cœur. Voilà. Il y a un pincement au cœur, mais c'est un bon pincement. Voilà. Après, je pense que c'est voilà, c'est une famille à 4 enfants, c'est ce qu'on voulait. Je pense qu'ils vont en prendre super soin. Ah ouais. Et c'était enfants. Eux, hein, t'as vu? Ouais. Le Dalai Lama était avec nous. Les enfants, ils... Le karma, comme il dit. Hyper. Sylvain, le karma. Ouais, c'est ça. Les enfants, hyper contents. Ils ont dit... attends, comment elle a dit Sacha? Sacha, c'est la plus grande, elle a 10 ans. Et elle a dit... Oh là là, il est trop stylé. Ouais.
Ouais. Du coup, quand t'entends ça, bah, franchement, ça peut que faire plaisir. Et puis c'était eux, de toute façon. On a eu plein, ouais. On a eu plein d'appels, et on a eu des visites, on a eu des gens. Enfin, on a eu. Voilà. Et non, quand c'est eux, ils nous ont appelés, j'ai tout de suite senti que ça allait être eux. Et ça, c'est vrai. Hein, puis il y a eu une confiance voilà, et tout. Il y a eu un truc, qui s'est passé, ouais, c'est vrai. Voilà, donc c'est très bien. Donc on c'est restera en contact avec ces personnes. Ah ouais, en plus, c'est des superbes des personnes. Gens, c'est vraiment super top. Chouette, ouais. Et vraiment, c'est génial, quoi. Je pense qu'on ne perdra pas contact. Hein, ça, non, ça c'est sûr. En plus, ils vont faire une chaîne YouTube, donc vous pourrez aussi voir. Ouais, vous pourrez aussi voir les aventures de Flash. Bah, pour nous, Flash, pour eux, ça sera un autre nom, je pense. Ouais, peut-être. Et puis, bah, nous aussi, ça nous permettra aussi de voir où Flash en est, quoi. Ah ouais, c'est ça serait bien. Cool, quoi. C'est marrant de s'attacher autant du matériel, quoi. Bah, enfin, ouais, mais là, c'est vrai, c'est du matériel. Mais ça a été quand même notre maison pendant 2 ans qu'on a fabriqué nos mains. C'est super important pour nous, quoi. C'est du matériel qui te fait voir du pays, du c'est paysage, ça. Qui te fait vivre des aventures. Une maison, elle reste toujours au même endroit. Voilà, à part les barbecues que tu fais avec les copains l'été, ces souvenirs-là, c'est tout ce que t'as, quoi. Là, c'est vrai qu'on a vu énormément de choses. On grâce était quand à même H24 dedans. Ouais, voilà, ouais. C'était notre maison, quoi, notre petite maison roulante. Mais bon, c'est pas grave. C'est reparti pour de nouvelles aventures. Pour nous aussi, hein, parce qu'il y a Captain, faut pas oublier qu'il nous attend. On est plus motivés que jamais avec Captain, du coup. Il y a Captain qui nous attend. Voilà, et les c'est... enfants. Moi, j'adore voir les enfants. Ah ouais. Ah putain, moi, je suis déprimée. Mais je les ai appelés hier soir. Bah, je les appelle tous les jours, mais là, je les ai eus hier soir. J'ai pas pleuré, mais. Ils commencent vraiment à nous manquer. Ouais, c'est quand on les a, c'est. Mais vous êtes casse-pieds, mais lâchez-nous, 5 minutes. De toute façon, minutes. On est parti au bout de 2 minutes déjà. C'était calme. Mais j'avoue, c'est, ça ouais. fait du bien quand même. Ça fait du bien. C'est reposant quand même. Mais on les aime, les petits poissons. Ouais. Et moi, j'ai un petit truc que j'avais inventé il y a super longtemps. Les enfants. Nos petits microbes. Ouais, je les appelle mes petits microbes parce que les enfants, c'est comme les microbes en fait. On en a besoin pour vivre. Voilà. Ouais, donc, ouais. Bon bah sur ce, on vous fait plein de gros bisous, on vous embrasse fort et puis bah on vous dit à plus tard pour de nouvelles voilà. vidéos. À bientôt, à ce soir pour la petite étape qui risquerait d'être pas mal en espérant qu'il fasse beau. Il va faire beau. Voilà les bandits. Allez, on vous embrasse fort. Bisous, pleurez Allez, pas ciao. Les bandits, hein. Ne ouais. pleurez pas, je sais que ça vous a touché aussi tout ça. Hein. Ouais, grave. Quand on voit les messages que vous nous envoyez, vous savez que. Vous êtes aussi triste que nous. Vous savez qu'il y a certains commentaires. Ça risquerait presque de nous faire chialer. C'est grave. Donc arrêtez parce que des fois. Et tout à l'heure, on a regardé la vidéo en exclusivité, la vidéo de jeudi. On a tous chialé. Oh là, c'était vraiment trop émouvant. Bien. Avec on avait l'air Paul, fin. C'était vraiment émouvant. On avait l'air fin. On était tous en train de chialer. C'est Paul qui a commencé. On a tous suivi derrière. Oh, c'est dingue. Donc bah, merci pour vos super messages. Je suis désolée si j'arrive pas à cadrer, mais là, on est dans les cols. Et j'ai mal au bras. C'est un truc de fou. Donc voilà, allez, on vous embrasse, on vous aime fort et puis à bientôt. À tout à l'heure les bandits. Allez, ciao. Encore 3 km et nous allons vous présenter ce petit endroit où nous allons dormir. C'est Charlotte qui a tout trouvé, qui s'est occupée de tout. Moi, je sais pas, c'est vraiment la surprise. C'est la susu, c'est la pépri, c'est la... Surprise. C'est quoi ça? C'est des lamas, ça. Des lamas? Ah ouais, c'est des lamas. La vache, tout ce qu'il y a. Ça crache. C'était pas des lamas, c'était des... Ça te crache dessus que si tu lui craches dessus. Ouais, je dis rien. Nous, avec les bêtes... Oh, mais là, c'est des sous-glaces, là. Si, lamas, je t'en ai parlé. Il y a plus petit que des lamas, des... Ça va les causes. Des wallabites, non c'est Et du coup, donc j'en ai parlé un peu quand même à Jérém. Donc comme Jérém, il est exigeant, du coup j'ai dû lui en parler un petit peu, mais je lui ai pas tout dit. Tu m'as pas tout dit, ouais. Et donc bah, on verra, ça sera la surprise. C'est vrai que par internet et tout, bah, c'est pas évident de se rendre compte, parce que c'est super beau, mais arrivé sur les lieux, tu dis, ah, ok. Nous, on n'a pas l'habitude de faire ça. Nous, on voyage avec notre maison, enfin... Ah ouais, donc bon, ça, c'est quelque chose en pleine nature, en pleine forêt, donc bah, voir si, on va voir ça. On verra. Allez, à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Tournez à gauche vers chemin de la ville. Alors, nous arrivons bientôt à Voussac, c'est ça. Et c'est les cabanes de la Sapinière, si je dis pas de bêtises. Hein, Charlotte?
C'est pas de la petite sapinière ? C'est les cabanes de la petite sapinière à Voussac. Donc là, nous arrivons à Voussac. À les cabanes. À la cabane de la petite Donc sapinière. Là, nous arrivons à Voussac, à la cabane de la petite sapinière. Et bien voilà, nous sommes arrivés. On a l'impression qu'on y va pour une semaine. On est avec les sacs et tout, on a tout pris. Et on va aller vous faire voir. Donc c'est un petit endroit où il y a quatre petites habitations légères avec des thèmes différents. Et nous, on a pris le thème... Carré étoilé. Vous allez voir, attention, c'est la plus grosse, la plus magnifique, la plus énorme, la plus splendide. Vous allez voir. Je l'adore, en tout cas. Ouais, si vous nous connaissez, vous savez que ça va être un truc de ouf. Regardez, Gîte de France, parc résidentiel de loisirs. Vous avez un petit endroit ici qui est magnifique, avec une petite rivière, un petit étang. Voilà, c'est vraiment nature en fait. Nous, c'est ce qu'on recherchait, c'est ce que Charlotte, elle a cherché. C'est vraiment quelque chose de nature, tranquille, au calme, en plein milieu de la forêt. Et ça, c'est chouette. Donc ici, vous avez... Il n'y a pas le nom, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le spa de Céline. Le spa de Céline. C'est une petite cabane avec spa privatif. Ouais. Attention. Donc c'est la première. La deuxième, nous allons passer à la cabane forestière, voyez. Ok. Sous le thème... De la forêt. La deuxième, celle-là c'est thème bateau, navire, ceci, cela, Sea Shepherd. C'est le thème des océans et des bateaux. Mm-hmm. Regardez. Tadam ! Et nous, c'est pas encore celle-là. Vous allez voir, nous on vous réserve le must. Regardez-moi bien, ça va être un truc de fou, attention. Je vais vous mettre une petite musique là. Attention, on s'approche et on va tout vous dévoiler. Regardez comme c'est magnifique. C'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas beau? Il n'y a pas un bruit, on entend les petits oiseaux et le vent qui vient frotter sur les sapins. Je l'ai bien dit? Ouais. Alors attention, il y a une petite piscine là-bas. Là vous avez encore un jacuzzi. Mais on va pas y aller parce qu'il fait un peu froid. C'était prévu qu'on y aille, mais il fait très froid. Attention! J'ai l'honneur de vous dévoiler l'endroit où nous allons dormir cette nuit. Tadam ! C'est cool, hein ? Vous allez voir, c'est magnifique. C'est ça s'appelle comment ? Le carré étoilé, parce qu'elle est en forme de carré. Attention, ne vous fiez pas à sa petite taille. Tiens, ouvre. Nous allons ouvrir le carré étoilé. Hop ! Regardez si c'est pas magnifique. Petite douche, petite toilette, enfin non, même toilette de bonne taille en fait. Hop. Là vous avez une douche, petite cuisine, avec tout ce qu'il faut, tout le confort. Vous avez des meubles, vous savez, qui bougent. Hop. C'est vachement bien étudié. Et attention, vous allez vous dire, mais où est-ce que tu dors avec Charlotte? Là-haut. Et pourquoi c'est le carré étoilé? C'est parce qu'en fait, il y a un gros hublot, et quand on va être dans notre lit, on va voir les étoiles et le ciel. C'est une grande mezzanine, en fait. Et ça, si c'est pas chouette... Ça ne change pas de notre bus, hein. C'est petit, c'est peaufiné, c'est bien. Je me sens bien. Ouais, c'est vrai. C'est cocoon. C'est cocooning. Et tu vois, regarde, on va pouvoir voir les étoiles. Du coup, je vais aller voir, j'ai pas été voir. Tu vas voir, vas-y. Oh, il fait chaud. Ah bah ouais, la chaleur elle monte. Tiens. Tadam ! Voilà. C'est un grand lit ? Ouais. Oh là là, il est énorme. C'est un king size, je sais pas quoi. Et puis là, le petit hublot. Où que ce soit, on verra les étoiles. C'est trop cool. Il est énorme, on peut dormir avec 4 au moins. 2 mètres par 2 mètres, ça se trouve. Je sais plus, il est grand. Il est carré, il est rectangle. Je pense qu'il est rectangle. Ouais, ça va être un 1,80 m par 2 mètres. Ça va être le grand lit. Ça va être bien. Ouais, allez, on vous laisse et on se retrouve demain. On vous dira si on a passé une bonne nuit. Ouais. Et je vais aller faire deux, trois petits plans dehors. Et donc, faut préciser que c'est la cabane de la petite sapinière à Voussac. À Voussac, dans l'Auvergne, à côté de Moulins. Bah, j'ai vu département de l'Auvergne tout à l'heure. Oui, bah c'est dans l'Allier. Oui, bah l'Allier, c'est où? C'est dans l'Auvergne. C'est 03. L'Auvergne, c'est le département.
L'Auvergne, c'est la région. Eh ben, on est bien dans l'Auvergne, on avait raison tous les deux. Ouais. On avait région tous les deux. Voilà, la petite Sapinière à Voussac, dans la région de l'Auvergne, plus précisément dans le département de l'Allier. Je l'ai bien fait, hein. Voilà. Allez, à tout à l'heure, à demain matin, et puis on reprend la route demain matin. On vous laisse. Gros bisous. Allez, nous, on va profiter un peu. Bonne soirée. Nous, on va se reposer. Je vais faire une petite sieste, franchement. Bye bye. J'ai la tête dans le globe. On a bien dormi cette nuit. Hein? Nous avons bien dormi cette nuit. Avec ce globe, nous avons vu les étoiles. Et les sapins. Vous avez vu? C'est sympa les amis. Hein? Coucou les bandits. On n'a pas trop mal dormi. Hein? Oh, ben je me prépare. Et alors, tu mets quoi sur ta Salut. Peau? Salut. Je me mets du lait. Tous les pour matins. Hydrater ma peau, oui, tous les matins. Voilà, pourquoi on parle doucement en fait, il n'y a pas les gosses. Et puis il n'y a personne autour. C'est clair. On non, a bien dormi dans notre petite boîte. On a trop mal dormi en fait. Ouais. Hein. Avec le hublot là-haut. Oh. Wow. Là, on attend le petit-déj avec impatience parce que. Bah, et en après, fait, on a impatience de repartir. On a impatience. Et du coup, ouais, parce qu'on est hâte de repartir bah, pour rejoindre les petits. Parce que du coup, là, ça fait le quatrième jour et ça commence à faire un petit peu long. Ouais, là, ça commence à faire long. Il va falloir qu'on rentre. Ouais, ça commence à faire long. Mais bon, là, il y a encore 4 heures de route. Je sais pas trop. À peu près. Ouais, il y a 400 km. Ouais. Donc, bah, mine de rien, il y a encore de la route. Et puis bah, là, le petit-déj, il arrive d'ici une demi-heure. Et. Et après, on prend la route. Voilà. Le petit déjeuner arrive. Tu vas l'entrer ou j'y vais? C'est fini. Nous, on a bien déjeuné et on va y aller. Hein? Et en fait, il y avait une télé, du coup, on l'a allumée et on a compris pourquoi on n'avait pas de télé chez nous. C'est clair. Oh là là, c'est dingue. Allez, à tout à l'heure. Voyons, c'est pas trop ce que c'est. C'est pas des lamas. J'ai plus le nom en tête. J'ai plus le nom, mais c'est pas tout à fait des lamas. C'est des. D'ailleurs, ça coûte assez cher, ça, si t'en veux. Tu peux en avoir. Hein. Dans les jardins pour ton. Ça remplace les moutons, ça remplace les biquettes. Il y en a une quinzaine. Une c'est excellent. Hein. Regardez, lui, il est mignon, lui. L'autre, regarde le blanc là-bas, il est touffu. Lui aussi, il est touffu, regarde. C'est excellent. On dirait des grands moutons quand ils sont. Je crois que ça se tond en plus. Je crois qu'il faut les tondre. Excellent. Ça se trouve, il les mange. Oh. Non? Ça se trouve, avec de la bernaise, c'est bon? Lui, il rigole pas. Hein? Oh là là. Qu'est-ce que t'as à me regarder, toi, là? T'es en train de me filmer, et les droits d'auteur, qu'est-ce que t'en fais? Le droit à l'image. Il est énorme. Ah ouais, grave. Oh là là. Voilà. Nous arrivons bientôt. J'ai un peu la tête dans le pâté, ah ouais. Je viens de faire une sieste de moins une heure. Hein? Tu peux la doubler? Non, il restait une heure et demie quand je t'ai passé le volant. Une heure et demie alors? Non, ça fait 20 minutes que je me suis réveillé. J'étais HS. Donc c'est Charlotte qui a pris le volant.
Tu m'as pas pris en photo? Non, pourtant j'aurais pu. J'ai dormi la bouche ouverte. Et tu as ronflé. Ah ouais, mais c'est normal, j'ai le nez qui est pris en ce moment. On vieillit, on ronfle, hein, Charlotte. Normal, hein. Donc du coup, on arrive bientôt et on est super excités parce qu'on va retrouver les petits-enfants. Hein ? Ils seront contents. Ouais, on les a jamais laissés plus d'une après-midi, quoi. Donc là, trop content de les retrouver. On a pris l'autoroute et tout pour gazer. Et voyez, là, on va même les retrouver pour manger à midi. Sinon, ouais, ils le savent pas, on l'a dit à la grand-mère. Sinon, on l'a dit à mémé de pas leur dire. Donc du coup, on va arriver et ça sera surprise. Donc on va voir ça tout à l'heure. Ah, oh là là, 14h, ouais, t'es gentille. T'es gentille, ouais. T'es vraiment gentille. Bien plus tard que ça, avec les pauses et tout. Alors, on se retrouve tout à l'heure, les bandits, et on va retrouver nos petits amours, parce qu'ils nous ont vachement manqué. Allez, c'est parti. On reste là. Ça fait 4 jours qu'on n'a pas vu les enfants. On va voir ce qu'ils vont faire. Sur maman. Sur papa. Mamie, elle va dormir pendant une semaine. Ouais. Parce qu'elle est rincée. Ah, les enfants, c'est un boulot à plein temps. Hein. C'est fatigant. Et on a reçu notre petit appareil photo. Avec ça, non, on va faire des belles photos, les bandits. Et des belles vidéos. Oh, c'est une carte avec aussi. Un zoom. Ah, c'est bon. Faut 25. Oh non, 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 c'est pas un zoom. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais, bah, hein. C'est des objectifs interchangeables. Donc on parle pas comme ça en zoom x 25. Et t'avais dit qu'il pouvait faire un zoom. Non, c'est pas celui-là, on a rechangé depuis. Ah, vous avez rechangé. Là, on a pris un hybride. Ah ouais. On a pris un hybride. Oh la vache. Oh, il déchire. La classe. Ouais, bah c'est un appareil photo. Il y a le petit écran déporté et tout. C'est un appareil fétiche, on dit. Regarde. Fais voir. Pour les selfies, la classe. Tout ça. Ça, ouais, c'était... indispensable. Ouais. Parce que sinon, c'est vous allez grand classe, hein. Avec le petit. Enfin, je m'habitue à faire ça, parce que je n'ai pas habitué, moi, à changer mes objectifs. Hein. C'est. Quel qui rentre dans. C'est quel qui rentre dans quoi. Hop. Non, c'est pas lui. Si. Si, c'est lui. Voilà. Wow. La classe, hein. On va être bien avec ça. Ah ouais, ça c'est pas pour le soleil. Ouais, ça c'est pour le soleil. Ouais, ça doit être comme ça. Tu peux voir le truc pour l'œil. C'est comme le caméscope là-bas derrière. Voilà. Pas joli ça, c'est un Lumix, je vous ferai une petite vidéo. Voilà. Il tremble. C'est juste le déballage. Allez, gros bisous.